Bonjour et bienvenue aux ateliers Fleurir ses passions en couleurs. Mon nom est Nancy Hamilton et je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up. Aujourd'hui, j'ai reçu ma précommande de nouveaux produits Stampin' Up et évidemment, je suis très emballée et j'ai reçu entre autres les nouvelles In Color 2014-2016. Et je voulais vous montrer entre autres, quand je reçois mes pattes d'encre, qu'est-ce que je fais avec dans un premier temps pour les identifier. Parce que quand vous tournez votre boîtier à l'envers, vous voyez ici les nouvelles étiquettes et vous avez les principales langues pour donner le nom de la couleur. Et ici, en français, c'est feuillage sauvage. Donc, qu'est-ce que je fais dans un premier temps? Je vais venir ici enlever l'étiquette et je pourrais enlever l'étiquette ici au complet. Et là, ce qu'on a en arrière du boîtier, dans le fond, c'est comment ouvrir et refermer le boîtier correctement. Donc, vous pourriez la retirer complètement. Moi, je la garde ici collée. Et tout ce que je veux faire, c'est venir enlever ici l'étiquette, comme ceci. Et là, je vais venir poser cette petite étiquette ici en avant de mon boîtier, afin d'avoir non seulement le nom, mais la couleur en avant de mon boîtier pour pouvoir les identifier. Donc, vous voyez ici, là, mes couleurs, bien, mes boîtiers sont bien identifiés. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je ne m'en tiens pas seulement à ça. Étant donné que j'ai d'autres étiquettes ici, j'en profite. Je vais venir en chercher une autre dont les couleurs, dont je vois plus la couleur, là, le nom est plus petit, là, si vous voulez. Et, voyons, bon. Donc, je viens retirer l'étiquette et là, je vais prendre mes ciseaux et je viens couper, dans le fond, deux petites parties ici de l'étiquette afin d'avoir vraiment la couleur. Et voilà. Et là, ce que je vais faire, je vais venir identifier aussi ma couleur à l'intérieur du boîtier. Ce qui fait que, vous voyez, là, quand je l'ouvre, dans le fond, on donne une bonne poussée ici en avant, on relève, on retourne. Et là, je viens coller ici mes deux petites étiquettes de couleur à l'intérieur de mon boîtier. Donc, comme ça, même à l'intérieur, ma couleur est bien identifiée. Donc, quand j'arrive pour venir étamper, quand j'ai plusieurs boîtiers du verre, bien, il y a moins de chances que je me trompe et que je salisse mes boîtiers ou que je me trompe de couleur. Fait que vous voyez ici, dans le fond, j'ai mon feuillage sauvage bien identifié à l'intérieur. Mettons ici cuvée de cassis. Donc, quand ils sont ouverts, si on regarde, c'est foncé tous les deux. Donc, ça serait facilement facile de se mélanger. Mais là, en ayant mes deux petites étiquettes à l'intérieur de couleur, bien, c'est plus facile de bien les identifier et de ne pas se mélanger. Donc voilà, c'était mon petit truc de la journée et, en cette nouvelle année qui commence chez Stampin' Up. Et voilà, merci et à bientôt!